That's. From Yatra to my baby. Living water from you to me, from your throne, from your throne to my belly. Living water. Ça va? Bonne arrivée. D'accord, il n'y a pas de problème. Living water from you to me. Désiré, faut voir ce que les gens vont manger, pardon. Ça, c'est mes amis. C'est mes amis personnels. Living water for you too. Voilà, bien-aimé, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Dans le nom précieux souverain de Jésus. Ah, désolé de faire l'incursion comme ça. Ah, to my belly. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, mes amis. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Où que tu sois, que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit ton partage, sa puissance soit ta force. Merci Jésus. Donc avant de commencer ou de continuer, je voudrais tout simplement rassurer tous les habitants de Soa que nous avons l'inauguration de la chapelle de Soa qui aura lieu le 9, 10, 11 octobre, tous les soirs à partir de 17h. Qui est là? Désiré? Désiré? Et le 13 octobre. Pardon, éteins-moi la télé, pardon. Et le 13 octobre à partir de 17h, dimanche 13 octobre, c'est l'installation du pasteur dont l'église se situe à Soa. Quand vous arrivez au centre Soa, où les cars s'arrêtent, et vous demandez que vous allez au carrefour Ikane chez le prophète, on va vous amener là-bas, tout simplement. Et le Seigneur agira puissamment. Je serai là-bas avec le docteur Enoka et le prophète Kamto. Dieu nous utilisera pour ta bénédiction. Après cette semaine, nous serons du côté de Douala. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Donc, bien-aimé, mon âme est dans la joie. Déjà ce soir, je serai chez le docteur Enoka, du côté du carrefour Iptec, pour le lancement de son ministère. Je voudrais vous dire quelque chose, mes amis. Si réellement nous servons un seul et même Dieu, nous ne devrions pas nous entremêler, choquer entre nous. Il ne devrait pas avoir de haine parmi les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Des guerres intestines, des jalousies ou des calomnies, des choses semblables ne devraient pas exister parmi nous. Non. Tu devrais aimer ton prochain et prier pour son bien-être. Si nous servons Dieu, je n'arrive pas à comprendre comment les chrétiens sont aussi belliqueux. C'est-à-dire que, ma remarque, il y a deux peuples que j'ai trouvés très belliqueux sur cette terre-ci. On a d'abord les organisations terroristes islamiques. C'est-à-dire que la partie de ceux qui pratiquent l'islam violent, avec le terrorisme. Et on a les chrétiens des églises dites de réveil ou des églises pentecôtistes. Les deux
catégorie d'hommes cela. Je vous assure. Les musulmans, c'est-à-dire ceux qui pratiquent l'islam extrémiste, les extrémistes qui versent dans le terrorisme, ne sont même pas trop violents les uns les autres. C'est-à-dire ils ne se combattent pas entre eux, en dehors de l'application de la charia, qui est la loi islamique. Voilà, pour user de répression envers ceux qui commettent telle ou telle faute. Mais vous ne verrez pas ces gens-là se combattre entre eux vraiment. En dehors du wokisme, la scission entre chiites et sunnites. Mais de façon globale, vous ne verrez jamais un débat entre des musulmans qui s'insultent. Entre deux mosquées, les imams de deux mosquées, et ils vont au tribunal. Parce que tel dit à tel, il est un faux imam. L'autre dit à tel, il est un faux imam. C'est des choses que, parcourez la toile, vous ne les verrez jamais. Ce qu'on verrait plutôt chez les musulmans, c'est que lorsqu'un musulman fait une publication, tous les musulmans du monde viennent soutenir sa publication. Vous ne verrez pas quelqu'un l'insulter. Mais c'est chez les pentecôtistes, ceux qui disent qu'ils sont dépositaires de la vérité, ceux qui disent que ce sont eux qui sont sauvés, le reste est perdu là. Ils ont plus de méchanceté qu'ailleurs. La vie avec les païens parfois est plus paisible qu'avec ceux qui je dis enfants de Dieu entre guillemets. Nos églises là, hormis les chants, hormis les louanges, les adorations, nous tous nous savons ce qui se passe en bas. J'ai souvent raconté l'histoire selon laquelle j'étais, quand j'ai donné ma vie à Christ, quand j'ai cru, parce que quand j'ai cru, personne ne m'a prêché Christ. Voilà. Personne n'est venu me voir pour dire, OK, ah, c'est toi, hein, Amadou Cheyni, oh, voilà, problème, ça manque. Voilà. Djabou Isa al-Masiou Atami Hishugo Hishnete. Voilà. Accepte Jésus, je te prêche. Personne ne m'a prêché Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ s'est prêché lui-même à moi. Il est venu lui-même se prêcher. Lui-même, sans l'aide de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va dire, j'ai engendré Kané Ferdinand dans le ministère. Non. C'est par révélation. C'est par révélation que je suis devenu chrétien. À cette époque, j'étais encore musulman. Quand je lisais la Bible, parce que j'ai cru, j'ai fait des mois et des mois où je persévérais au collège, où j'avais donné ma vie au Seigneur. Pendant toute l'année scolaire, je persévérais. J'ai donné ma vie, j'étais en classe de cinquième. Je faisais la classe de cinquième à l'époque. Donc, je persévérais. Je lisais la Bible, le Nouveau Testament. Et je prêchais comme Jésus. À l'époque, je parlais exactement comme le Seigneur Jésus. Je disais, en vérité, je vous le dis, le royaume des cieux est au milieu de vous. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai commencé à prêcher Christ dans le collège où j'étais, au COPES. Hein? Le Colpro plutôt. Collège protestant au quartier norvégien, en Ngaoundéré. Je prêchais Jésus. Et les chrétiens me persécutaient, les musulmans me persécutaient parce que j'appartenais à l'association des jeunes musulmans du collège. J'étais l'un des membres honorables et respectés. Donc, pendant les mois du Ramadan, parce que tous les soirs, après les cours vers 19h à 18h, tous ceux qui étaient à l'internat allaient dans les salles de classe pour les études du soir. C'était obligatoire. Bon, comme j'ai cru au mois du Ramadan, c'était pendant un mois du Ramadan. J'ai donné ma vie au Seigneur. C'était pendant le jeûne. J'étais en plein Ramadan. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le Seigneur Jésus-Christ me parle et me convainc et que je me convertis, je commence donc à prêcher Christ aux chrétiens. Et les chrétiens vont me demander, mais toi, un musulman qui prêche Christ, tu es malade ou quoi? Et les musulmans aussi me disaient, mais un musulman qui prêche Christ, tu es malade ou quoi? Donc les deux camps ne m'accueillaient pas, mais je continuais à prêcher. Et à cette époque-là, je pense que c'est dans les années entre 1994 et 1995, j'ai ouvert une cellule de prière au collège. Les étudiants se rassemblaient pendant ces heures de prière, pendant mes pauses à l'école. Et beaucoup venaient et je priais pour eux et les malades étaient guéris.
Des miracles extraordinaires se passaient, quoique je ne connaissais pas grand-chose du christianisme. Là, je n'avais rencontré aucun homme de Dieu. Je n'avais aucun père spirituel, aucun pasteur. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais à l'internat. Et dans ma chambre d'internat, je dormais au-dessus, le lit du haut. Et quand on retournait souvent des classes, quand on entrait dans la classe, là, quand on enlevait nos tenues, nous les garçons, on faisait des commentaires. Oh, aujourd'hui j'ai encore dragué telle fille. Ah, j'ai dragué telle fille. Oh, waouh, tu sais la belle là, oui, je l'ai eue et tout cela. Et après avoir rencontré le Seigneur Jésus, lorsque je retournais au collège, dans ma chambre d'internat, il parlait des filles. Moi, je lisais le Nouveau Testament. Parce que le groupe Gédéon qui nous avait partagé le Nouveau Testament à l'époque. De parler des filles, moi je lisais le Nouveau Testament. Et quand ils me demandaient, je leur disais, cette vie, je ne suis plus dedans. Maintenant, je suis né de nouveau. La parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, le chef de chambre et tous ceux qui étaient dans la chambre ont commencé à me combattre. Ils disaient que je suis entré dans la secte. Ils sont allés porter plainte chez le principal du collège que je suis entré dans une secte. Je ne parle plus de femmes. Hein? Je ne fais que passer mon temps avec la Bible. Et c'était très sérieux, cette histoire. Ils ont pris ça vraiment, vraiment à cœur. Donc, ce qui va se passer, c'est que, entre-temps, je vais prier le Seigneur. Il va m'orienter vers une église. Et je me retrouverai à la vraie église de Dieu de Papa Nestor Toukéa. C'est là, la première église où je vais commencer à persévérer, où je ferai 7 années de ma vie. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que lorsque je quitte de là, je vais en Ngaoundal. Dans ma tête, j'étais convaincu que les chrétiens sont des anges, que l'église, c'est le paradis. J'avais la ferme conviction que si j'arrivais dans une église, j'allais trouver que là-bas, c'est des saints, c'est des gens qui ne pêchent pas. Il n'y a pas de mensonge là-bas, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc voilà la mentalité avec laquelle moi j'ai rejoint une église, la première église de ma vie. J'arrive donc là-bas à la vraie église, en Ngaoundal, aïe, la haine, les calomnies, les bagarres, les injures, le clanisme. L'ethnicisme, chacun, les scissions, chacun avait son camp. J'étais perdu. Hormis cela, nous avions un président de la jeunesse en qui nous croyons tellement. C'est le genre, étant nouveau converti, on priait avec lui un jour, et puis je pleurais, je disais, Seigneur, je veux te servir, je veux voir ta gloire, aide-moi. Et ce frère qu'on appelle Francis a prophétisé, pas en ma faveur, mais contre moi. Il a parlé la langue et il m'a dit, ainsi parle l'Éternel. Arrête tes larmes hypocrites là, avec tes larmes de crocodile. D'ailleurs, même ta langue, même d'abord fourchue comme celle du pangolin. Arrête. Hypocrite, tu crois qu'il ne connaît pas ton cœur? Dieu m'insultait, mes frères. Donc non seulement il y avait les calomnies et tout, mais là, Dieu était en train de m'insulter carrément, d'insulter ma langue, que c'est comme pour le pangolin. Oh. Et ça m'avait brisé. Donc, vu de toutes ces choses, j'avais donc résolu de fuir, de retourner dans ma ville natale, à Garoua. Et donc, la nuit, une nuit, j'ai fait mon sac et j'attendais que les gens dorment pour partir. Et dans la nuit, il y a un petit sommeil qui m'emporte. Et dans le sommeil, le Seigneur me dit, Ferdinand, tu vas où? Je lui ai dit que non, je retourne à Garoua, je retourne dans ma vie familiale. Et il me dit, non, reste. Reste. Garde ce qui est bien et rejette ce qui est mauvais. Et voilà comment je vais donc rester par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a dit, Annahua Sirat, Al-Haq, Al-Hayat. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce Jésus m'a changé, mes amis. Ce Jésus m'a béni.
Ce Jésus m'a fait tellement de bien. Toutes les paroles qu'il m'a adressées se sont accomplies. Alors, si votre fondation n'est pas solide, vous ne resterez pas dans l'église parce que les plus grandes épreuves de votre vie viendront de l'église. Ça viendra des chrétiens, pas des païens. Parfois, vous vous rendrez compte que les païens même sont plus tolérants envers vous que ceux qui se disent être enfants de Dieu. Les païens même seront un peu plus justes que ceux qui se disent être enfants de Dieu. L'église est devenue un lieu où les gens se détruisent les uns les autres, où les gens pratiquent la sorcellerie littéralement. Où tu viens chercher Dieu, on t'attriste tous les jours, on te ruine. Si tu n'as pas les pieds sur terre, tu vas fuir. Pourquoi certaines personnes fuient nos églises? Pourquoi elles rétrogradent? À cause de la méchanceté des cœurs des gens. Parce que je pense aussi que plusieurs personnes venant dans nos églises là, pensaient aussi comme moi, que ce n'est que des saints. Donc ça veut dire que c'est des parfaits qui se rassemblent là-bas, c'est des irréprochables. Mais c'est lorsque tu viens, mon frère, ma soeur, même Dieu ne nous éprouve pas comme l'épreuve qu'est l'église, les membres des églises de nos gens. C'est ça la vérité. Tu fais comme ça, tu tousses, on dit que la sorcière. Tu parles un peu comme ça, on dit que voilà encore. Tu t'assois comme ça, on dit qu'il s'est assis comme ça. Tu te redresses alors pourquoi on ne parle pas, on dit qu'il s'est redressé. Tu veux t'adosser encore, on dit qu'il s'est adossé. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est réelle. 2 Timothée 2, verset 19. Il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, je causais tout à l'heure avec une de mes filles qui m'a dit, ah papa, vraiment, tu te souviens, il y a telle sœur qui avait parlé mal de toi, qui a dit ceci, qui a raconté cela, qui a dit tout. Je lui ai dit que ma fille, je ne vis pas au dépend de ce que les gens disent de ma personne. Sincèrement, s'il fallait lui faire ce que j'ai un AVC depuis aujourd'hui. Non. Et je lui ai dit, ma fille, aujourd'hui j'aime les problèmes. J'aime qu'on parle de moi. Parce que si on ne parle pas de moi, ça veut dire que je suis mort. Il est important pour moi d'avoir des problèmes, d'avoir des ennemis. On ne peut pas avoir que des amis dans la vie. On a aussi besoin des ennemis. Les ennemis, là, chacun est utile à sa façon. Il faut que les gens comprennent cela. Si on enlève tous tes ennemis, je te dis avec Dieu, tu vas mourir. Tu vas mourir. Si on t'enlève les ennemis, ou on t'enlève les problèmes, la paresse va te tuer. Tu as besoin des gens qui ne t'aiment pas comme tu as besoin des gens qui t'aiment. Il faut, ça c'est les lois de la maturité. On a besoin de ça. Parce que si tu sais que quelqu'un veut ton mal, tu ne peux pas t'amuser. Tu seras éveillé. Tu resteras éveillé. Donc, je n'ai jamais vu un milieu avec autant d'hypocrisie que l'église. Je n'ai jamais vu. Même quand j'étais musulman, il y avait l'hypocrisie, il y avait toutes ces choses. Mais je vous dis la vérité, ceux qui se disent enfants de Dieu là, beaucoup seront étonnés au jour du jugement. Et c'est les mêmes personnes qui sont faciles, promptes à juger les autres à l'église. Quelqu'un vient à l'église, c'est pas pour lui-même qui vient. On prêche là. Il partage le message aux gens. C'est pour celle-là, avec sa grosse tête. C'est pour l'autre-là, avec ses grosses oreilles. C'est pour l'autre-là, avec sa bouche large, comme le caterpillar. C'est pour l'autre-là, avec son nez épaté, comme la cheminée. C'est ça. Tu t'habilles à l'église, on dit qu'il veut montrer qu'il a quelque chose. Une jeune femme s'habille, on dit, elle veut séduire le pasteur. Tu es belle, on parle. Ah, elle veut se montrer. Tu es laide, on parle. Ah, un machin comme ça, là, viens chercher quoi ici parmi les gens. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, ça fait que si vous êtes en train de m'écouter ce matin et que vous avez des problèmes dans votre église parce qu'on parle de vous, on parle contre vous, on vous calomnie et tout ça, estimez-vous heureux. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit la vérité. Il dit, réjouissez-vous lorsque les hommes diront de vous toutes sortes de mal, lorsqu'ils vous persécuteront. Il dit, réjouissez-vous, car alors vos noms seront écrits dans le livre de la vie éternelle au ciel. Il faut qu'on me persécute. Il faut qu'on parle mal de moi. Je vous dis la vérité, que si je passe une journée, on n'a pas parlé mal de moi, je suis malade. Je suis complètement malade. J'aime mes ennemis. Parce qu'il faut un bon travail.
Parce que tu dois comprendre que ton ennemi précipite ta bénédiction. Parce que quelqu'un veut te faire du mal, Dieu change le mal en bien. C'est ce que Joseph a dit à ses frères. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. Et s'il n'avait pas fait ce mal à Joseph, en le jetant dans le puits, en le vendant aux Ismaélites, Joseph ne serait jamais arrivé dans sa destinée. Donc il faut quelqu'un pour te faire du mal, pour que Dieu s'appuie sur ce mal pour te faire du bien. C'est important. Donc ton ennemi t'aide à atteindre ta destinée. Il précipite ta bénédiction. Ton ennemi te tient éveillé. Ton ennemi fait ta publicité gratuitement. Tu en as besoin. Mais la Bible dit aussi qu'il est impossible qu'il n'arrive point de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Malheur. Et il dit malheur à celui qui scandaliserait l'une de ces petites brebis qui croient en moi. Et il faut comprendre une chose. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous n'irons pas au ciel à cause de l'adultère. Parce qu'on voit ce que c'est l'adultère. Non, ou bien le vol. On connaît toutes ces choses-là. On fait attention. Mais les petites choses, les murmures, les calomnies, les fausses nouvelles, les mensonges, ce sont ces petites choses-là qui vont amener beaucoup, c'est-à-dire beaucoup, une bonne partie d'enfants de Dieu en enfer. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut dire qu'il est chrétien, mais il hait son frère. Il dit du mal de quelqu'un. Il sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est mauvais, c'est mal, mais il le fait. Il sait qu'il nuit. Comment un né de nouveau peut avoir aussi de la méchanceté dans son cœur? Comment Jésus, ce Dieu bon et éternel, peut-il cohabiter dans un cœur en même temps méchant? Je ne crois pas, mon frère. Je n'arrive pas à comprendre. Un chrétien ne peut pas haïr. Non, mes amis. Un chrétien ne peut pas haïr. Un chrétien ne peut pas garder dent. Tu ne peux pas dire que je ne pardonne pas. Et beaucoup d'enfants de Dieu, c'est l'erreur qu'ils commettent. Je ne te pardonnerai pas. Non, je ne peux pas pardonner à tel. Votre Père Céleste, lui non plus, ne pardonnera vos offenses. Et dit, faites aux autres. Nous devons apprendre à pardonner. Apprendre à aimer notre semblable. Apprendre à faire du bien autour de nous. Les hommes de Dieu, la jalousie. Comment un homme de Dieu peut-il être jaloux de son frère au point de chercher à le saboter? Comment quelqu'un avec qui un jour tu t'as entendu, vous étiez bien, vous avez mangé ensemble, vous avez même fait des directs ensemble, mais aujourd'hui tu es prêt à le liquider? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Mais c'est des choses qu'on voit. Les bâtons dans les roues de son collègue, de son frère. Comment on peut servir Christ avec la jalousie dans nos cœurs, mes amis? Je n'arrive pas à comprendre ces choses. Que Dieu ait pitié de sa maison. L'église est devenue une pourriture. L'église. La même bouche qui t'honore aujourd'hui, te glorifie devant les gens, c'est la même bouche qui va te descendre demain. C'est ça la vérité. C'est la même bouche qui te descend demain. La même personne. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, on a les chaînes de télé qui gardent les images. En sorte qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit que tu es sorcier, tu vas aller voir là où il disait que tu es un ange. Et on peut faire un copier-coller. Non, mes amis. Je crois que le Saint-Esprit de Christ en nous nous donne d'aimer les frères, de chercher l'intérêt de nos frères d'abord. De chercher l'intérêt de nos frères. Lorsque j'ai parlé avec mon frère bien-aimé, le docteur Enoka, vous le voyez, c'est quelqu'un qui a été éprouvé énormément. Il a été éprouvé, mes amis. Il a été éprouvé. Ça, peut-être, ne vous le dit pas. Et un jour, il aura l'occasion de le raconter. Le docteur Enoka, il a été éprouvé. Il a été beaucoup éprouvé. Il a été tellement éprouvé qu'il a quitté son pays pour aller se réfugier dans un autre pays. Cet homme que vous voyez. Et avant qu'il ne parte, nous étions trois amis. On était trois. On était toujours ensemble. Avec l'autre, le troisième, il était plus avec le troisième même qu'avec moi.
Mais on s'entendait parfaitement bien. Un jour, j'étais à la maison, il est venu me voir. Et il m'a dit, mon frère, je voudrais consulter le prophète que tu es. Et il m'a parlé. Il a dit, je ne viens pas voir un frère. Vous savez comment il est. Je ne viens pas voir un frère. Non, non, je ne vais pas. Tu n'es pas mon frère. Tu es mon prophète. Je voudrais que tu me dises les choses qui sont devant moi. Et je lui ai dit, donne-moi un instant. Je suis monté, je me suis mis à genoux devant le lit. J'ai consulté le Seigneur, j'ai interrogé le Seigneur par rapport au problème que son serviteur me passait. Et le Seigneur m'a adressé sa parole. Quand je suis descendu, il m'a demandé, qu'est-ce que Dieu a dit? Je lui ai dit simplement, tu vas connaître des moments un peu compliqués. Et juste après cela, il a connu des moments très compliqués dans sa vie. Très compliqués. Et s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas vu. Il est arrivé au Cameroun. Quand il est parti, entre-temps, la maman de Jemima, qu'il connaissait très bien, depuis même avant qu'on ne se marie à l'époque, la maman de Jemima était retournée au Seigneur. Et il n'était pas venu au deuil. Parce qu'il n'était pas au Cameroun. Donc, il va m'expliquer que lorsqu'il est revenu au Cameroun, il avait même peur de me chercher. Parce qu'il savait, tout le monde le rejetait, tout le monde le jugeait et tout. Notre ami commun m'a appelé pour me dire des choses sur lui, des choses terribles. Et me demandant de ne pas être en contact avec lui, de ne pas le considérer. Et j'ai dit à mon ami là, je lui ai dit, attends, comment tu peux faire une chose pareille? C'est notre frère, notre ami. Même s'il a eu quelques difficultés, moi je ne peux pas le renier. Ça veut donc dire que moi-même, demain là, tu peux me renier. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Une situation, il ne faut pas écouter seulement un côté. Comme toi, tu as préféré choisir ses ennemis, le camp adverse, pas ennemi forcément, le camp adverse. Moi, j'ai choisi donc lui demeurer loyal. Parce que c'est lui que je connais, c'est lui qui est notre ami. C'est ce que tu aurais fait toi-même. Donc, quand je suis arrivé ici, sorti, je pense, et on me dit que le docteur Noka était là, et il est parti. Et il a laissé son numéro. J'ai dit, vous l'avez laissé partir, pourquoi? J'ai appelé immédiatement. Il n'était pas trop loin de la maison. Je lui ai dit, fais demi-tour. Et il va revenir à la maison. Lorsqu'il arrive, je l'embrasse, je suis tellement content de disposer de toutes choses pour lui et tout. Et il va me confesser après qu'il était dépassé par la manière dont je l'ai accueilli. Je ne l'ai pas jugé, je ne l'ai pas condamné, je n'ai rien fait. Et tout, quand il avait voulu même expliquer, je lui ai dit non, ça va, je comprends ça. Parce que je suis un homme de la vallée de Baka. Je connais comment ça se passe dans la vallée de Baka. Voilà comment. Et on va passer peut-être 1 ou 2 mois ensemble. Il va retourner en Côte d'Ivoire. Et je vais arriver en Côte d'Ivoire. Je vais lui dire, écoute, il faut revenir au Cameroun. Reviens au pays. Reviens dans la terre où tes ennemis ont cru t'avoir vaincu. L'Éternel te bénira sur cette terre. Et à partir de là, tu peux aller n'importe où le Seigneur t'enverra. Il a pris le temps. Il a interrogé le Seigneur et le Seigneur a exaucé ses prières. Le Seigneur a confirmé cela et voilà comment je suis allé en Côte d'Ivoire. Nous sommes revenus ensemble. Et mon soutien pour lui est indélébile. Mon soutien pour lui est indéfectible. Ma loyauté pour lui, comme ça l'est dans toutes mes relations, est indéfectible. Vous ne pouvez pas, mes amis, être un enfant de Dieu et vous être infidèle à vos engagements, à vos relations. Non. Non, mes amis. Et on fait les cultes ensemble, on fait nos directs ensemble. Pourquoi? Je veux qu'il réussisse. Je veux que la main de Dieu manifeste envers lui la fidélité de son Dieu. Je veux le voir réussir. Je veux le voir avancer. Je veux le voir faire des exploits. Pourquoi? Parce que c'est le royaume de Christ qui avancera.
Et j'ai souvent raconté, posé des questions qui sont très simples. Combien d'hommes de Dieu peuvent faire ça? Combien d'hommes de Dieu peuvent, dans leur église, annoncer à l'église que voici un homme de Dieu qui a déjà ouvert son église. Je serai là-bas, sont là pour le soutenir. Combien vont faire ça? Peu. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes motivations dans le ministère. Combien peuvent prendre leur plateforme pour donner à un collègue d'envergure? Hein? Combien peuvent le faire? Ils sont peu nombreux. Tu ne peux pas faire une telle chose si tu n'as pas compris que le ministère, c'est la maison de Dieu. Je ne peux pas combattre mon frère. Je ne peux pas voir ce qui est bien. Je lui cache ça. Non! Laissez-moi vous dire ceci. Vous voyez, il y a un jeune apôtre avec qui on a commencé. Enfin, ils ont commencé le ministère avant moi. Et j'ai commencé après eux. Le jeune apôtre, si nous étions allés sur la montagne ensemble, on a cherché la face de Dieu et le Seigneur m'avait répondu sur la montagne. On devait faire 7 jours. Le troisième jour, les anges du Seigneur m'avaient visité, donc moi je suis rentré. Après, le Seigneur m'a accordé de l'avance sur eux. Le Seigneur m'a donné l'avance sur eux. Ils ont commencé à dire que je suis un sorcier. Or, ils étaient témoins de ce qui s'était passé sur la montagne, de comment la grâce et la faveur de Dieu étaient descendues sur ma vie. Ils ont commencé, ils se sont associés, ils ont dit, ils vont m'isoler, ils vont me saboter dans toute la ville en sorte que ma réputation soit ternie. Et ils ont fait ça pendant des années. Mes frères, mes amis, mes frères que j'aimais et que je continue d'aimer encore. Un jour, tellement on me rapportait le mal que l'un d'eux disait, ici dans la ville de Yaoundé, tellement de mal qu'il disait. Mais quand il me voyait, c'est oh grand, oh grand, oh grand, oh grand. Ah! J'ai pris la voiture, j'ai dit que je vais aller dans sa maison. Je suis donc allé, j'ai appelé, il m'a indiqué sa maison, et je suis arrivé, je l'ai trouvé chez lui. On s'est assis, on a parlé, et puis je lui ai dit, mon frère, je suis venu te voir parce que j'entends tellement le mal que tu dis sur ma personne. Tu dis que je suis un faux homme de Dieu. Tu dis que je ne suis pas vrai, que j'ai trempé. Je lui ai dit, mon frère, pardon, je veux savoir qu'est-ce que je t'ai fait de mal. Tout le mal que tu racontes, que j'entends, que tu racontes, si c'est vrai, je t'ai fait quoi? Tu m'as vu faire quoi de mauvais? Tu me reproches quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis que je suis faux. Je suis faux en quoi? Mes enseignements sont là tous les jours. Ma vie est là devant vous tous. Dis-moi alors maintenant. Je suis venu, pardon. Je suis prêt à me mettre à genoux pour me repentir. Il m'a dit non, c'est pas vrai. Oh non, vraiment moi, j'ai fait de la promotion, ta promotion. D'ailleurs, tu te souviens que c'est à moi que Dieu avait donné la prophétie, la vision, montrant comment tu serais grand. Et c'est vrai. Il a eu beaucoup de rêves sur moi, de songes, parlant de ma grandeur et des grandes œuvres que le Seigneur me ferait accomplir. Les choses qui sont accomplies aujourd'hui. Et il m'avait même dit qu'il est même fâché contre Dieu. Qu'il a dit à Dieu, moi, il te demande pour moi, je prie pour moi, c'est pour le grand que tu me montres. Voilà jusqu'où les gens peuvent aller. Juste à cause du succès de quelqu'un. Donc, moi, je devais rester derrière. Comme je suis venu après eux, je vais rester après eux et tout ça. Bon, maintenant, le ministère de chacun est à l'image de son cœur. Je ne vous hais pas. Et je lui ai dit là-bas, chez lui, je lui ai dit, tu sais pourquoi je vous ai dépassé? Il dit non. Il dit que parce que vos cœurs ne sont pas vrais. Vous n'êtes pas vrais. Ni envers moi, ni envers les autres. Je lui ai dit que tout ce que j'ai trouvé de bon, dès que je trouve un puits d'eau, immédiatement, je vais aller appeler mes frères. Venez, venez. Parfois, je ne suis même pas encore sûr que l'eau est potable. Que tout le monde est déjà là. J'ai toujours partagé tout ce qui est bien, que j'ai découvert, qui peut faire du bien à votre ministère. J'ai eu la radio, je vous ai appelé tous, venez, pour faire connaître tout ce que j'ai fait. Je lui ai dit, mais toi, tu as ouvert ta radio, tu passais dans ma radio, on était ensemble tous les jours, tu m'as menti, tu m'as caché ça. Tu m'as même pas invité à l'inauguration de ta radio, j'ai seulement appris par d'autres personnes que tu as une chaîne de radio. Vous, lorsque vous avez quelque chose de bon, quand vous appelez, vous ne prenez pas. Je vous dis la vérité. À l'époque, il faisait de belles photographies. Il avait un bon photographe. Je lui ai demandé pardon, si tu peux aussi me trouver ton photographe pour que moi aussi mes cultes et films. Il a refusé. Il m'a dit, oui, ne t'en fais pas. Oui, je vais te mettre en contact. Chaque fois que j'appelais, il me tournait comme ça. Il n'a jamais fait ça jusqu'à aujourd'hui.
Bon, maintenant, après, on va venir dire à quelqu'un qu'il est sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est le cœur. Mon cœur est vrai envers les frères. Je ne hais personne. Je n'envie personne. Je glorifie Christ pour ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Chacun est unique. Personne ne remplacera le prophète Caleb Ferdinand. Le prophète Caleb Ferdinand ne remplacera personne. Chacun était un échantillon unique, un maillon important et utile dans la maison du Seigneur. Il faut que les gens comprennent cela. Je ne chercherai jamais à devenir l'autre. Je ne chercherai jamais à laisser ce que Dieu m'a donné de faire pour vouloir faire comme l'autre parce que l'autre a fait telle chose. Non. Non. Si quelqu'un sait chanter que je ne sais pas chanter, je resterai dans le domaine de ce que le Seigneur m'a appris à faire. Mais je ne me laisserai jamais intimider par les exploits d'un autre frère. Ça ne doit pas m'intimider. Ça doit plutôt me réjouir parce que c'est la gloire du royaume, en fait. C'est la gloire pour nous tous. Si nous avons un héros, il est héros pour toute l'église du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas le calomnier, on ne peut pas chercher à lui faire du mal. Je me souviens, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire pour la première fois, j'ai mes fils qui sont venus et j'ai demandé à Côte d'Ivoire, ça va comment? Ils m'ont parlé du prophète Dadi Shekina. Ils m'ont parlé de lui, pas en bien. Ils m'ont dit, c'est un faux prophète, et voilà, et comment. Et puis on passait un jour, il avait un programme dans un stade, il avait mis là-bas, c'était miracle, ou c'est miracle maintenant ou aujourd'hui, instantané, ou exaucement instantané, quelque chose comme ça. Ça fait un peu longtemps. Ils m'ont dit, regardez ça, voilà les faux prophètes. Comment est-ce qu'il peut mettre ce genre de thème? Je leur ai dit que ne combattez pas vos prophètes, ne commettez pas cette erreur. C'est un serviteur de Dieu. Chaque homme de Dieu est spécial et spécifique. Il a son caractère, son tempérament, mais ça n'a rien à voir avec l'onction. Il y a des hommes de Dieu qui sont doux. Il y a des hommes de Dieu qui sont colériques. J'ai vu une vidéo où il est sorti de ses gonds et puis il a parlé avec des propos que j'ai jugés un peu exagérés. D'un autre homme de Dieu qui, lui, de son côté, disait que c'est son fils et lui aussi dit que... Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Lorsqu'on est un homme de Dieu, il peut arriver un moment où ta chair, tu perds le contrôle. Ça ne veut pas dire que tu es un faux homme de Dieu. Non, ça peut arriver ces choses-là. Même l'apôtre Paul a insulté le souverain sacrificateur et on l'a giflé pour ça. Il a insulté le tombeau blanchi. C'est un propos injurieux. Oh, lui-même, il dira quoi? Quand on le gifle et il demande pourquoi est-ce que tu m'as giflé, on lui demande que est-ce de la sorte que tu parles au chef du peuple de Dieu, au sacrificateur du Dieu vivant. Il a dit quoi? Je ne savais pas que ce fut le souverain sacrificateur. Quand il est écrit, tu ne parleras pas mal contre le chef de ton peuple. Il a reconnu et s'est repenti. Donc, est-ce que ça fait de lui un faux prophète? Non, mes amis. Ça peut arriver. L'apôtre Paul était très colérique. Donc, c'est pour dire quoi, mes amis? Arrêtons de nous combattre. Arrêtons ça. Cherchons Christ. Si ton frère a quelque chose que tu n'as pas, prie Dieu que Dieu te donne ta part. Voilà, bien-aimé. Que Dieu nous aide à la maturité. Donc, ce soir, à partir de 17h, nous sommes au Carrefour Iptec. 3 jours. Premier, le 2 et le 3. Et puis, le 6 octobre, nous avons la clôture de ce programme du côté de l'église de notre bien-aimé, le docteur Enoka. La semaine qui suit, le 9, le 10 et le 11, nous sommes du côté de Soie, centre Soie. Quand vous arrivez au centre, même quand le cas vous laisse, ou le cas gars à Soie centre, après l'université de Soie, demandez simplement que vous amenez au Carrefour et Canet. Chez le prophète, c'est derrière, l'église située derrière ma barrière. Et Dieu vous bénira. Ça sera le 9, le 10 et le 11, tous les soirs à 17h. Et le 13, ça sera donc l'implantation même de l'église. Et après cela, par la grâce de Dieu, je serai du côté de Douala. Et après ça, à Bertois, et Dieu manifestera sa gloire. Donc, bien-aimés, vivons en paix. Je vous en prie, vivons en paix. Que Dieu te bénisse et qu'il soit ta force. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.